Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 7 sur notre carrière suivie sur la haie des Newton. Alors il y a des nouvelles choses, hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, bon, ici ça n'a pas bougé, on a le gros Sam qui traîne là-dedans. La nouveauté déjà est là, le Fend 724 Vario. Donc celui-là il est en édition blanche, donc j'ai aussi l'édition vert normale. La version 3 de Akko, je sais plus quoi, qui a modé ce mode là, il est juste extra. Donc on a encore le Massey Ferguson 6480 Dyna VT, qui est un très joli mode, hein, faut le dire aussi, hein. Qu'est-ce que j'ai encore fait sinon? Ben, j'ai terminé de récolter le maïs, mais je vais vous montrer, j'ai foutu 50 tonnes de maïs là-dedans. Donc vous pouvez voir qu'on a juste l'herbe à mettre et on aura notre mélange total. Donc on va faire comme ça, ça va être plus simple. Alors aujourd'hui au programme, récolte de blé et de betterave. Non, je voulais pas que tu démarres. Donc toi, on va avoir besoin de toi parce que la machine est pleine, et on a juste la coopérative à côté. Ça c'est magnifique. Ça c'est vraiment magnifique, les amis. On a juste la coopérative à côté. Alors récolte de betterave. Regardez-moi cette texture des betteraves. Bon, quand on regarde de haut, ça fait feuille, mais quand on regarde comme ça dans le champ, c'est juste extra en fait. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Les textures sur cette map, elle est juste géniale. Alors, comme arracheuse, j'ai décidé volontairement de prendre, ah bah toi t'es plein, la Grim Maxtron 620, mort réalistique, les amis. Alors pourquoi? Parce que j'avais jamais essayé ces machines en mode réalistique. Et je me suis dit, tiens, on va essayer, hein, bon, ça coûte rien. Parce que j'étais tout simplement curieux, hein. Donc il y a 3 ou 4 champs de betteraves à récolter. J'étais curieux de l'essayer. De toute façon, on a de l'argent, hein, on pourra. Ah, d'accord, pas accepté ici. Donc il faut les vendre, je sais pas où de nouveau. À un endroit bien précis, j'en déduis. Donc ce qu'on va faire, on va laisser ça là, on va reculer avec celui-là là, et puis je pense que le temps que elle se remplisse de nouveau, on est de nouveau tranquille un petit moment, pire des cas on cherchera une autre benne. Alors, donc là on a notre case 2388 avec sa barre de coupe de 5 mètres et des brouettes. Alors pourquoi j'ai pas pris la Lexion avec la barre de coupe de 12 mètres? Ce champ là aurait déjà été terminé, vous m'auriez dit. Mais je me suis dit, ben allez, on va changer, hein, une fois de temps en temps. Un peu de changement, ça fait du bien. Alors là, on va tout de suite ramasser ça. Parce que bon, toujours faire avec des grosses machines, c'est bien, mais de temps en temps changer un petit peu, c'est pas plus mal. Alors je me suis dit, on va prendre la 2388. Et pourtant c'est bien fait, même l'animation du cueilleur là, c'est bien fichu cette affaire. Elle est bien modée cette petite machine. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une machine avec 7 tonnes 300 et des brouettes, barre de coupe de 5m80 et un cueilleur à maïs également avec. Mais bon, hop, après moi j'ai pris les gearing off. Alors si vous voulez savoir où j'ai trouvé les gearing off, alors les gearing off, ils se trouvent dans le pack mort réalistique. Ils sont dedans, hein. Moi je les ai pas trouvés ailleurs. Alors après peut-être que maintenant on peut, mais je sais pas, j'ai pas vraiment regardé, on va dire. Donc déjà ça. Alors ensuite j'ai quelqu'un qui m'a demandé sur ma chaîne, est-ce que, je sais plus qui c'est, est-ce que je ramais un petit peu sur la haie des Newton. Alors moi, enfin, c'est ce que je remarque sur les cartes de Luxe Farm, que ça soit Belgique Profonde, que ça soit la haie des Newton, ou on verra ça sur la Belgique Profonde V3. Moi ce que je remarque, c'est que quand on n'a presque pas de véhicule, hop là, quand on n'a presque pas de véhicule, il n'y a pas de problème, on ne rame pas, c'est vraiment bien. Et dès qu'on a un certain nombre de véhicules,
pas forcément des modes, hein. Moi ça me le fait même si je prends que des véhicules d'origine. Et ben on rame systématiquement sur leur carte. Alors je sais pas si ça provient d'eux, mais après moi j'ai plein de cartes qui ne proviennent pas d'eux, où je ne rame pas du tout. Donc pour répondre à ta question, oui effectivement je rame un petit peu, et ça ne c'est pas du tout mon ordi, hein, parce que graphiquement je suis pas en qualité très élevée encore là. D'ailleurs je pourrais la monter un peu. Et par exemple Euro Truck, qui bouffe quand même beaucoup plus de puissance, et ben Euro Truck lui je le fais tourner en qualité ultra, il n'y a pas un coup de lag quoi, donc c'est pas un farming qui va me faire peur, on va dire. Même professionnel farmer en ultra, il n'y a pas de souci. Donc à mon avis c'est les cartes de Lux Farm, je pense qu'à un moment donné quand il y a trop de mode, ben voilà ça rame, hein. Après on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Donc après je pense que si t'as un PC qui est pas forcément très bon, parce que là maintenant tu vois là il n'y a pas du tout de problème, hein. C'est unique, enfin moi c'est uniquement un petit peu dans le corps de ferme là où il y a le Fen 724, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi c'est juste à cet endroit là que je rame un petit peu, mais sinon en dehors j'ai pas de soucis. Et comme je disais, je pense qu'effectivement si t'as un ordi qui est pas forcément très puissant, ouais ça n'arrangera pas les choses non plus. Donc déjà ça. Ensuite, une petite actualité, j'ai eu un commentaire d'une personne, je sais plus le nom, Emily quelque chose. En fait, ça c'est ce genre de personne-là, je vais être franc avec vous, je ne les supporte pas. Alors pourquoi? Parce qu'il m'a mis un commentaire, ou enfin, il ou elle, je sais pas, on va dire, je m'en fous, qui c'est, m'a mis un commentaire me disant... tu fais ton perso sur tes modes, allez salut. Alors ça c'est le genre de gens qui se créent un compte sur YouTube, qui ne regardent même pas vos vidéos, je parle de moi, mais c'est pas forcément que sur ma chaîne. Ça c'est ce genre de personnes qui ont la flemme de chercher leur mode eux-mêmes. Ils vont sur YouTube, ils regardent des présentations de mode, ils regardent même pas une seconde de la vidéo, ils cliquent sur le lien, ils le téléchargent et basta. Alors ce genre de gens là, pour rester poli, je les emmerde royalement. Et bon, ça sert à rien que je te le dise parce que de toute façon tu ne regarderas pas mes vidéos parce que ce n'est pas dans ton intérêt. Mais si t'es pas content, bah casse-toi. Premièrement, si t'étais au courant, mes abonnés vous pourrez me le confirmer. Je fais des séries présentations de mode où je mets toujours les liens. C'est vrai que des fois je ne mets pas les liens, je mets juste le lien sur le site. Parce que tout simplement c'est des modes que j'ai sur mon disque dur externe et j'ai quand même 25 gigas de modes. Alors j'ai des mods qui sont bien, mais que j'ai téléchargé il y a longtemps. Je sais plus exactement où je les ai téléchargés. Et c'est vrai que des fois, bah, je vous avoue que je pense pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je pense pas à rechercher les liens en fait. Mais après je pourrais à nouveau le refaire, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ce genre de gens là, c'est un truc de fou comment qu'il m'énerve. J'ai carrément pas d'autres mots, il m'énerve tout simplement quoi. Ils viennent sur votre chaîne juste pour cliquer sur vos liens de mode et ils en ont rien à foutre de votre boulot. Alors que vous, mes 140 abonnés, je crois maintenant, vous au moins quand je fais une présentation de mode, vous prenez 30 secondes pour commenter et dire jolie présentation de mode, machin, merci, etc. Alors que lui, il n'avait rien à foutre. Mais bon, à vrai dire, moi, comme je vous ai déjà souvent dit, cela ne m'atteint pas du tout. Donc c'était la petite parenthèse. Ah voilà, ça y est, il attaque les grandes lignes droites. Alors maintenant, pour parler un petit peu de cette machine en mode réalistique. Donc ce qui change sur cette machine-là, vous pouvez voir en dessous de l'heure, Grim Maxtron 620, on voit le pourcentage de patinage. On voit également la flèche, qu'elle avance ou qu'elle recule. Ben, ce qui est beaucoup plus réaliste, c'est que j'ai rarement vu quelqu'un qui arrache des betteraves à 10-12 km/h. Ça... possible. Là il est à vitesse réelle, c'est vrai que ça change un peu. Alors après il y a des gens qui vont aimer et il y a des gens qui ne vont pas aimer, bah, parce que tout simplement il y en a, ils jouent au jeu, c'est pour être c'est pour juste pour le plaisir de faire ça, au plaisir de jouer pardon, mais pas forcément au plaisir d'être réaliste. Après il y a des gens qui vont aimer que ça soit réaliste et qui vont prendre le mot réalistique tout le temps quoi. Après moi je le prends, oui et non, parce que entre le faire le choix
entre une Grim Maxtron 620 et une Rupa Euro Tiger V8, oh bah je vais direct prendre le mode, il est 10 fois plus beau. Alors là je me suis dit hop, pour cette récolte je prends ça, c'est des petits champs. Mais le jour où je vais décider que j'allais faire des grands champs, vous en faites pas, hein, il sera vite vendu pour acheter la Rupa ou même la Holmer. Hein. Je veux dire, après voilà, c'est une question de... C'est tout simplement une question de... C'est comme les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Il y a des gens qui aiment et d'autres qui n'aiment pas. Alors après, voilà. Alors maintenant, pour reparler un petit peu de cette moissonneuse, peut-être son petit défaut, c'est qu'elle est très lente à se lancer. Et quand maintenant vous êtes en avant, vous avez pu voir que quand j'ai voulu reculer, c'est pareil. C'est très lent. Mais bon, après, vu que c'est pas une machine qui est toute neuve, je pense que c'est quand même réel. Donc après... d'ailleurs, il faudrait que je vous la présente, cette machine-là. Et oui, je vous mettrai les liens, les vrais liens. Comme ça, si ce blaireau, il repasse par là, il sera content. Bon, après tout, je m'en fous, hein, il a qu'à le prendre. Ou pas le prendre. Pour moi, ça ne changera rien du tout. Voilà. Donc, c'est vrai que là, sur cette carte-là, on est à l'épisode 7. Bon, pour l'instant, c'est pareil, on n'a pas d'animaux, rien. Pas pour cause financière, mais parce que vous pouvez voir par vous-même, il y a énormément de champs à récolter. C'est un truc de malade, hein, je veux dire. Sur Belgique profonde, il n'y en a même pas un quart. Là, tous les champs, ils sont prêts à être récoltés. Parce que moi, ce que je veux faire, en fait, je vous explique, une fois que tout sera récolté, je veux tout simplement faire le foin. Enfin, faire l'herbe, hein, ramasser l'herbe avec l'autochargeuse. Et la mettre dans cette foutue mélangeuse pour voir ce qui se passe. Parce que ça, je suis bien curieux. Je sais ce que ça va faire. Mais je suis quand même curieux. Et puis comme ça, on aura quand même 150 tonnes d'avance. Donc je pense que 150 tonnes d'avance, c'est pas négligeable. Et on aura vraiment de quoi faire. Hein. Donc voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Très très bonne question. Donc le prochain épisode, oui, j'ai pas encore publié celui-là, hein. Mais bon, je vous en parle quand même. Le prochain épisode, parce que bon, c'est vrai que vous avez pu voir que j'ai quand même... Bah, attendez, je vais vous montrer parce que je vous l'ai dit, mais je ne l'ai pas montré. Donc, le grand champ 30, j'avais fini de le faire, de le récolter en maïs grain. Donc, j'ai acheté une deuxième case avec un bec cuirant cette fois-ci. Bon, après, vous pouvez voir, le champ 40, c'était de l'orge. Le 39, il y avait le 28 en colza, il me semble. Le 23, je crois. Bref, enfin, j'ai fait quelques champs quand même. Donc là, maintenant, l'objectif, comme on peut voir, c'est que il y a le champ là, c'est de la betterave. Ça, c'est de la betterave. Et celui-là, c'est de la betterave. Après, on a donc du colza, un champ qui est pas mal grand là-haut. Là, on a du colza. On a du colza. On a même un peu de maïs encore, je crois. Ouais, on a une petite parcelle de maïs à côté du champ 15. Donc, ça tombe bien que j'ai pas décroché la deuxième moissonneuse. Après on aura bon de l'orge, bah, c'est ce que je suis en train de récolter, de la betterave et de la patate, parce que les patates, je sais pas pourquoi, elles sont pas encore prêtes. Donc les patates, ça sera pour un prochain épisode. Et une fois que tout ça, ça sera récolté, bah, comme dit, on s'occupera de faire le foin et de travailler tout, et de préparer tout ça et de le semer. Alors donc pour le prochain épisode, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. Dans le prochain épisode, bon, parce que comme j'ai fait avant de filmer celui-là, j'ai quand même pas mal avancé. Parce qu'en fait, bon, il était un peu tard le soir et je vous avoue que j'avais plus envie de filmer. Alors je me suis dit, tiens, je vais avancer. Comme ça, ben, ça avance quand même, voilà. Et je vois que j'ai bien fait quand même. Donc, ce qu'on fera en fonction de ce que j'ai ramassé, hein, on fera peut-être un épisode carrément, on fera pas de récolte. On fera de l'épandage d'engrais. Qu'est-ce qu'on fera encore? Non, pas épandage d'engrais, pulvé. Pourquoi pas préparation de sol déjà, hein. Pff, ça ne fera rien. Ce qui est fait, on va dire. Alors par contre, je voulais juste vous montrer une petite chose. Voilà, on est là. Alors j'ai acheté le Amazon traîné avec la cuve devant. Pourquoi? C'est pas plus compliqué que ça. Excusez-moi, quand on a une petite toux. Hein. Ça, c'est un épandeur de Luxe Farm qui est génial. Qui est vraiment extra, ce truc-là. Mais
Il est extra, mais en même temps, c'est une merde. Pourquoi? Je vais vous expliquer. J'ai voulu faire un champ. Donc, ce qu'on va faire, on va monter dans le massé et on va l'emmener à la Maxtron, comme ça, c'est fait. Et comme ça, en même temps, je peux vous montrer le champ. Comme ça, en même temps, vous voyez le petit massé Ferguson. Donc, ces bennes-là qui fournissent avec la carte. Hein. Téléchargez-les, elles sont vraiment extra. Alors, attends, voir. C'était où le champ? On va se mettre un petit peu les gyros. Donc, l'intérieur est pas top, mais il est vraiment bien quand même. Non, c'était pas ici. C'était un champ là, voilà. C'était par là-bas. Oui, voilà, c'était là-bas. Donc, je vais vous montrer, même si je vais peut-être à l'opposé de là où je vais aller. Je sais pas si j'ai traité. Non, j'ai pas traité. Donc, normalement, on devrait le voir. Cet épandeur là, le palien de Lux Farm, il a un très gros défaut. Alors, si vous l'avez, vous le saurez. Mais si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, je suis venu comme ça avec mon épandeur, mon tracteur. Hop, j'ai déplié, j'ai activé. Alors, quand vous allez dans ce sens là, bah, vous voyez comment il épand. Il épand par petits bouts. Il épand vraiment très mal. Mais par contre, quand vous allez dans l'autre sens, là, il n'y a pas de problème, il épand. Alors, pour vous donner une petite comparaison, là, il y a un aller, un retour et un début d'aller. Hein, d'accord? L'épandeur, il fait 18 000 litres. Vous voyez ce que j'ai traité? Donc, avec cet épandeur-là, sur une petite parcelle, jamais de la vie, je vais réussir à finir. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre le Amazon, parce que vous voyez, il s'est arrêté là. Imaginez le champ qui est juste là pour le faire avec ça, mais il vous faut, sans déconner, 5 heures pour le faire, quoi, avec les allers-retours, machin, etc. Parce que sur cette carte, on n'a pas de possibilité, je crois, de charger d'engrais, ou à moins qu'on peut, et j'ai pas trouvé, dites-le-moi si jamais. Ça, c'était bien sur Belgique Profonde V2, on pouvait charger de l'engrais, LBD, où on voulait. Donc voilà pourquoi, malheureusement, je ne me servirai pas du panien, ou alors très très peu. Je m'en servirais, ben hop, admettons quand il y aura vraiment un petit champ pour vous montrer, oui. Mais sinon, je m'en servirais pas parce que c'est vraiment dommage. Parce que c'est à se tirer une balle. Hein. Je suis même pas sûr qu'un champ comme ça, on arrive à le faire avec l'épandeur entier. Pour vous donner un petit exemple, voilà. Donc, toi tu dois être pleine ma grande. Et pourtant les betteraves sont pas traitées, hein. Je tiens à le préciser. Donc on va aller en dessous. Alors est-ce que tout rentre dans la veine? Très bonne question. Bon, on va voir ça d'ici quelques secondes quand elle aura déchargé. Comme ça, une fois qu'elle est vide, elle fait sa vie, elle est nouveau occupée un moment jusqu'à ce qu'elle soit pleine et nous on peut continuer notre moisson. Et vu que cette vidéo, là, on est vendredi soir, cette vidéo sera publiée samedi. Je voulais vous faire une petite précision. Je ferai une petite vidéo très courte, spéciale, pour vous le repréciser. Il n'y aura pas de vidéo... Ah bah oui, tout se met dedans, il y a 32 tonnes, donc ça, c'est pas mal. Il n'y aura pas de vidéo à partir du 25 septembre, donc au soir. Septembre, bien sûr. Merci. Non, ma copine, je sais pas pourquoi j'ai dit septembre, on m'a dit que c'était décembre. À partir du 25 décembre jusqu'au 5 janvier, bah parce que tout simplement, je pars fêter Nouvel An dans le sud. Donc, bah, je ne serai pas là. Donc, comme ça, je vous l'aurais dit. Mais je vous ferai encore une petite vidéo que je posterai pour vous tout vous dire plus en détail. Ah, voilà. Comme ça, vous serez tenu au courant. Donc, au moins, ça sera pas pour un problème de PC cette fois-ci. Ça sera vraiment parce que je pars dans le sud. On va dire que je pars au chaud parce que c'est vrai que en Alsace il fait pas forcément chaud ces derniers temps. Donc voilà. Alors sinon, cette carte là et les newtons là, je sais, je parle de choses et d'autres. Je parle du fait que je ferai pas de vidéo et tout d'un coup, bim, je tombe sur la haie des newtons. Tout d'un coup, bim, je vais vous parler de la case. Enfin, c'est pas grave, mais au moins comme ça vous vous ennuyez pas avec moi, j'ai envie de dire. On parle au moins vraiment de tout et de rien et on regarde pas une vidéo d'une demi-heure plus ou moins morte. Excusez-moi, j'ai claqué le chat. Cette carte, plus on y joue. En fait, c'est un peu comme la cigarette. Non, c'est peut-être pas forcément le bon exemple.
enfin si, peut-être, quand on commence à fumer, plus on fume, moins on arrive à s'en passer. Bah, cette carte-là, c'est vrai que depuis qu'elle est sortie, plus j'apprends à jouer dessus, et moins j'arrive à m'en passer. Pour vous dire, chaque fois que je lance farming, je vais sur cette carte, c'est un truc de fou. Parce que c'est vrai que cette carte, elle est vraiment extra, hein, vraiment rien à dire. Mis à part le fait qu'elle lag un peu. Après, peut-être que la version 1.1 va être corrigée. Mais je vous dis franchement, moi, je vais pas la télécharger. Parce que tout simplement, sinon, il faut que je recommence tout. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de tout recommencer, sachant qu'on est quand même au 7ème épisode. Qu'on aura quand même plus qu'on a quand même avancé. Tout recommencer, tout me retaper, non merci. Hein. Surtout qu'apparemment ils auront corrigé quelques bugs de buissons là, sur de petits chemins qui bug et ce genre de choses là. C'est pas encore non plus trop. C'est pas comme par exemple on passe de Belgique Profonde V2 à Belgique Profonde V3. Là il y a une différence énorme. Là ils vont pas tout changer quoi, ils vont juste corriger quelques bugs je pense. Donc c'est pour ça que nous on restera là-dessus. Décidément. Donc nous c'est pour ça qu'on restera là-dessus tranquillement. Hein. Donc comment on va se démerder pour le champ là? Moi je pense que ce qu'on va faire, on va pas se faire chier les amis. On va couper. Comme ça. Voilà, on va faire ce petit bout là. Comme ça ensuite on pourra vider. Puis ensuite on ira derrière faire le bout là-bas. Et puis on finira par là devant. Alors je sais bien qu'avec l'annexion, ça aurait déjà été torché depuis longtemps. Hein. Comme je vous ai dit, vu que cette notre petite machine est sympathique, autant en profiter. Parce que c'est vrai que de petites moissonneuses, bien modées, j'en ai pas trouvé énormément, mis à part celle-là. Après, il y a peut-être la New Holland TX66 qui est peut-être bien faite. Mais c'est vrai que cette case-là me plaît bien. Et puis, de toute façon, on en a deux avec deux becs à maïs. Donc ça, ce sera les machines à maïs. Parce que j'ai envie de dire qu'on ait une Lexion 780 avec 12 700 litres, un truc du genre, avec un bec 8 rangs. Qu'on ait cette case-là qui a la moitié de Trémi. Mais elle a un 8 rangs, hein, donc elle avancera tout aussi vite. Alors, sauf qu'il faut la vider peut-être plus souvent, ça c'est clair. Mais bon, alors ce qui est sûr, c'est que le champ de 20 hectares, là, il sera mis en blé traité, prochaine culture. Et après, vous allez peut-être me prendre pour un taré, il sera mis en betterave. Et je pense même en patate, pour vous dire. Et puis bien sûr, en maïs, quand on aura besoin de maïs. Là, ça fait une pointe. Cette forme de champ me rappelle un champ que j'avais au travail là, que j'ai dû aller broyer, les cannes de maïs. J'ai jamais vu un champ d'une forme comme ça. C'était juste, je pourrais même pas vous expliquer, tellement que c'était une forme à la con. Le champ n'était jamais droit. Enfin, il y avait un morceau droit comme là en fait, et après ça partait, ça suivait une forêt, ça remontait, ça redescendait. Enfin, machin, on faisait que des zigzags. Ça me rappelait ça. Petite anecdote aussi. Mais bon, quand je rentrerai de nouveau, parce que malheureusement, j'étais en remplacement là, au travail actuellement, j'ai terminé mon contrat, donc vendredi, là, donc aujourd'hui, à l'heure où je filme la vidéo, je n'ai malheureusement plus de boulot. Donc en janvier, je vais sûrement de nouveau être une petite période à la maison, j'espère pas trop longtemps non plus, mais je referai une petite vidéo où je planifierai de nouveau tel et tel jour, telle et telle carte sortiront, parce que c'est vrai que depuis que mon PC a eu son problème et que j'ai bossé en même temps, ça a été un peu le bordel, hein. J'ai pas sorti des vidéos trop régulières et trop dans le bon ordre aussi, on va se l'avouer, on va pas se le cacher, hein. Mais bon, de toute façon ça sera fait quand je rentrerai tranquillement. Moi, cette petite semaine de vacances, ça sera fait, il n'y aura pas de problème. Allez, de toute façon on est qu'à 72%. Dans la benne, il ne doit pas y avoir grand chose, il n'y a peut-être même pas 10 tonnes. Parce que j'ai mis une fois 2 tonnes et des brouettes et une fois 7 tonnes. Donc ouais, on est peut-être à 10 tonnes.
donc on avance doucement mais sûrement, enfin doucement quand même, à 11 km/h, ça c'est pas réaliste du tout hein. Mais bon, après si on se met à 5, entre 5 et 7 km/h comme en vrai, ce champ là va par exemple paraître interminable. C'est pour ça que on va quand même faire ça. Et puis bon, je vais faire avant que je parte en vacances une vidéo sur Euro Truck de nouveau. Et puis d'ailleurs, j'ai appris que, enfin j'ai appris, je le savais, mais je vous en avais pas parlé, qu'apparemment il va y avoir American Truck Simulator qui va sortir. Donc un peu le même style que ETS, sauf que ça sera avec des camions américains, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors je me suis dit que ça, ça risque d'être un jeu aussi sympa. Niveau simulation, ça risque d'être sympathique aussi, ça. Donc quand il sortira, je sais pas, je crois qu'il sort fin janvier, un truc du genre, et ben on le prendra et on fera aussi des épisodes dessus. Donc pour l'instant, même si ce jeu là sortira, je garderai ETS. Bon, parce qu'à part farming, ETS, professional farmer, je fais que ça. Donc bon, à la rigueur, c'est gérable. C'est pas comme si j'avais une chaîne multigaming par exemple, ou quelque chose du genre, où je n'arriverais pas à suivre. Mais là, j'y arrive largement. Hein, ça c'est. En fait, à la base, j'ai dit que je ferais ça à la fin. Mais en fait, je veux remplir ma trémie à fond pour la vider. Et puis, vu que c'est une machine qui est lente à décharger, je me suis dit en attendant, je pourrais avoir mes betteraves. Mais je fais des tours, et je vois que ma trémie, elle met 3 plombes à se remplir. Alors, imaginez la Lexion 780 avec cette barre de coupe là. Ça devrait être marrant. Faudrait essayer une fois pour le fun. À mon avis, on s'en sortirait pas. Bon, on va pas tenter. On va pas tenter l'aller-retour encore. Quoique ça passerait encore, je pense. Maintenant, on va décharger. Tranquillement. Et puis, je vous annonce aussi. Bon, je devais pas vous le dire sur cet épisode-là. Et je vous annonce aussi, les abonnés, que quand je reprendrai mes vidéos en janvier, il y aura du multi avec les abonnés, mais je vous parlerai de ça dans une vidéo à part, hein, bien sûr. C'était pour vous le dire, hein, on fera du multi ensemble, les amis, il n'y a pas de problème. Je vous dirai tout ça au moment venu. Donc là, elle est même pas à 50%, donc il y a peut-être des chances qu'elle arrive à finir. Il est en train de décharger, ça c'est bon. Celui-là il est plein, on s'en fout. Donc vous savez quoi les amis, j'ai envie de vous faire plaisir et j'ai envie de changer un peu. J'ai envie d'aller traiter un petit coup un champ avec notre. Ah attendez voir, il y a un truc qui va déjà pas là. Voilà, vous pouvez voir qu'ici je rame un peu. C'est juste là où je rame, hein. C'est tout. Hein. Est-ce que c'est bon, il est en haut. J'ai envie de vous montrer ce Fend que je vais vous présenter d'ailleurs en version 3 point quelque chose. C'est la version 3 point barre. Donc l'intérieur il est extra. Hein. Bon, ça n'a pas trop changé. Ce qui change, c'est que maintenant ils sont comme les John Deere série 7R. Il faut appuyer sur CTRL pour changer de direction. D'ailleurs, voilà, on va faire ça bien. Donc contrôle de gauche, on met les 4 roues. Ouais, c'était bien cette touche là. Donc ce qu'on va faire, on va se traiter la parcelle que j'ai essayé de faire avec l'épandeur panien là. Que j'ai une machine à patates qui traîne, bon c'est pas grave. Là on va prendre beaucoup plus large avec ça. Et encore là, je suis pas assez large, je pense. Donc c'est vrai qu'avec un pulvé comme ça. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre l'inverseur. On va gagner un temps phénoménal au niveau de la fertilisation de nos champs, ça je peux vous le dire. On va essayer de se mettre plus ou moins droit quand même. Régulateur de vitesse. On va descendre un peu la rampe. Et c'est parti.
Ah ouais, non, mais vous avez vu à la vitesse qu'il va être torché ce champ-là. C'est vraiment dommage que les pendeurs paniens, là, ils se vident tellement vite et qu'ils bug. Parce qu'il aurait, il aurait été tellement sympa à se servir, ce truc-là. En fait, là, je vais tout prendre, là. Ah bah oui, je vais tout prendre en une fois. Mis à part le micro-bout là-bas, parce que tout simplement, j'avais plus rien dans les pendeurs. Donc comme ça, en même temps, vous pouvez voir un petit peu le beau fen. Alors en blanc, je l'aime bien, hein. Je trouve que ça fait original. Ça change un petit peu. Puis on préparera les champs avec celui-là, comme ça, on pourra le voir plus en détail. Enfin, on préparera... Bah oui, parce qu'il y aura plein de gens à préparer. On sèmera plutôt avec celui-là et on préparera avec un gros John Deere, là, je pense. Avec un petit 8000, là, ça pourrait être sympa. 8220, là, par exemple. Je passe à travers les arbres, je sais... Ça fera une vidéo un peu plus longue, mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce petit fend à l'action là, parce qu'il est vraiment, il est vraiment beau. Allez, on va se mettre en vue intérieure. Il est vraiment beau et il est sympathique. Et puis comme d'hab, on a pas mal d'options. Je crois que si on appuie là, ça descend le rivage devant. Ça, c'est quand même bien foutu. Couper les gyros. J'allais dire attention, une parcelle plus grande. En fait non, elle est pas vraiment beaucoup plus grande cette parcelle. Voilà, donc on va l'arrêter là. Voyons voir, ça on s'en fout. Ah voilà, elle a vidé. Notre benne n'est toujours pas pleine, pour pas changer. Donc si déjà on va pas descendre à vide, hein. Autant que on récolte tout de suite quelque chose. Donc on va moissonner encore un petit peu ensemble et puis ensuite on arrêtera cet épisode, hein. Comme dit, ces derniers temps j'ai envie de faire des vidéos, pas forcément je me dis bon pile poil à 30 minutes stop, là j'ai le temps, j'ai envie, alors tant que j'ai envie, ben, tout va bien, on continue, hein. Alors, est-ce que ça prend tout? Ouais. Ça passe, ça prend tout. Comme on a vu cette partie-là, ça va rentrer dans la trémie sans souci. Je pense. Mais bon, on le fera pas ensemble non plus, hein. Parce que je pense que tout récolter là avec cette machine, j'en aurai quand même encore pour... une bonne vingtaine de minutes, je dirais. Bon, peut-être pas 20 minutes, mais... un bon quart d'heure facile. Par contre, elle consomme quelque chose, cette machine. Waouh. Ah, c'est un truc de fou. 368 litres, il me reste déjà. Enfin, seulement, plutôt. Surtout ça, 367, allez hop, j'ai claqué 1 litre en vendant, en faisant presque rien. Alors je vous laisse profiter un petit peu de la petite vue intérieure qui est sympa quand même. Alors ouais, les phares déconnent, il faut rester appuyé sur F. Et maintenant ça marche. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant que c'est que ça qui déconne et pas autre chose. C'est pas plus grave que ça, j'ai envie de vous dire. Voilà. 5,8 m elle fait, la barre de coupe. Maintenant je me souviens pile poil. Mais je crois que c'est ce que j'avais dit en vous en parlant. J'avais pas dit moins ou plus, j'avais dit ça je crois.
on se fait encore un petit tour et puis on arrêtera là. C'est ça, je crois. Oh non, merde, ça il fallait pas toucher. Hop là, j'ai loupé un petit bout, c'est pas grave. Choper comme ça et puis basta. Alors ce qui est bien fait, je sais pas si vous avez vu comme moi, souvent les moissonneuses qui font cet effet là où on voit le blé rentrer, dès qu'on arrive en bout de champ, bim, ça disparaît instantanément. C'est souvent le cas. Que là sur celle là je sais pas si vous avez remarqué, quand on arrive en bout, ça ne disparaît pas instantanément, on voit vraiment tout rentrer comme vous pouvez voir là. Et ça, c'est bien fait, j'aime bien. Un point en plus pour cette machine. Voilà. Donc sur ce, les amis, nous, on va se laisser là. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8 sur la haie des Newton. Allez, salut tout le monde.